C'est la deuxième fois dans l'histoire des relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine que le navire hôpital de la Croix-Rouge chinoise Arche de Paix accoste les côtes gabonaises pour une campagne médicale. Et juste comme il y a 7 ans, aujourd'hui nous sommes ici pour la paix et pour la santé du grand public gabonais. Et surtout pour le renforcement de l'amitié entre nos deux armées et entre nos deux pays. Avec une capacité d'accueil de près de 600 patients, le navire bateau Arche de Paix est équipé pour effectuer tout type d'intervention médicale. Et nous ferons de notre mieux pour fournir des services médicaux sur la plateforme médicale de notre navire. Et en plus, nous enverrons également des détachements médicaux dans les hôpitaux militaires et civils locaux pour fournir des consultations et des traitements. Présent au Gabon pour une semaine, cette initiative de la marine chinoise vise à souligner les relations d'amitié entre le peuple gabonais et le peuple chinois. Ce que l'Arche de la Paix propose ici nous satisfait énormément. Cette opération que vous appelez Harmonie fait écho au concept armée-nation, qui est un concept éminemment important pour le comité pour la transition et la restauration de les institutions. Le navire hôpital chinois Arche de Paix fait 78 mètres de long et dispose d'une surface totale de 4000 mètres carrés avec un ascenseur, 8 salles d'opération, 7 centres de soins et de santé et 500 lits.